Hey, c'est la Birchbox. Yes. Hello Sunshine, je suis ravi de vous retrouver. Oui, j'ai reçu la Birchbox et comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à l'ouvrir. Aïe, 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 mais ouais, je suis tellement excité de voir ce qu'est-ce qu'ils nous ont mis. La Birchbox, regardez-la. Oh ouais. Elle est très 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 jolie avec le fameux catalogue comme d'habitude. Moi je suis ravi d'être resté abonné à cette Birchbox et en plus c'est numéro spécial L. Yes. Alors on l'ouvre ensemble, on découvre. Ouais. Oh bon, il y a plein de choses qui se battent. Alors, oh ben c'est sympa déjà, j'ai une carte cadeau chez Mac. C'est cool, de 15 euros je vais pouvoir me faire des petits cadeaux pour 15 euros. Bon, il n'y a pas grand chose peut-être, mais c'est déjà sympa je trouve. Donc voilà, 15 euros de bon. Ça c'est pour s'abonner au magazine L. Alors ça, bah non, non merci, pas trop mon truc, mais bon. Et les produits, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Alors, on va voir ensemble. Ah ouais, franchement, mais c'est nickel hein, ce qu'ils nous ont mis cette fois-ci, je trouve. Alors, un déodorant Schmidt. Alors moi, les déodorants, vous me connaissez maintenant un petit peu. Moi, je vois que par ce poids-là. Je vais le tester. Mais je, voilà, j'ai un doute sur ce produit, de son efficacité. Je ne vous cache pas que moi, sorti de ce poids-là, t'as arbre à thé, il n'y a rien qui marche sur moi. Mais bon, c'est déjà pas mal. Regardez, c'est un beau... Un produit entier, enfin entier, oui il est entier, mais je veux dire, c'est le vrai produit quoi. Donc bravo Birchbox. Et je ne l'ai jamais eu en plus hein, depuis le mois de mars. Donc franchement, à tester, on verra. Ils m'ont mis, oh super, alors c'est pas le grand modèle, on est d'accord, mais quand même, L'Oréal Professionnel avec un shampoing glycérol plus Coco Wild pour les cheveux secs. En effet, c'est génial après le retour des vacances là. Pour la rentrée, à tester, je vous dirai ce que j'en pense de ce produit. Ça a l'air pas mal du tout, L'Oréal, le professionnel, leur gamme est quand même pas mal. Moi, j'en suis plutôt content. Et ils m'ont mis leur masque Ciré Expert en même temps. Ben, sympa, hein. Je vais tester tout ça. Je vous montre. Voilà. Ben oui, hein, glycérol nutrifieur. Ils m'ont mis aussi Garantia, l'huile ensorcelante. Ah, c'est trop sympa. Même si j'ai une mauvaise expérience sur ce produit en pharmacie, je l'avais senti, j'avais trouvé ça bah, pas du tout à mon goût. Je trouvais qu'il sentait mauvais, mais bon, je le retesterai, peut-être je changerai d'avis, je sais pas. Mais j'avais pas eu une belle après, enfin ouais, quand je l'avais testé en pharmacie, j'avais pas trouvé ça excellent quoi. Mais bon, à voir. Ça s'appelle donc l'huile ensorcelante au super pouvoir. Mais Garantia, ils ont quand même des produits que j'aime bien, ceci dit. Apicia, ça c'est un petit masque pour le visage à base de miel. Et bien ça sera l'occasion de le comparer à Exertier avec leur fabuleux masque que j'adore. Le masque, comment on appelle ça d'ailleurs, je ne me souviens plus, oh là là, je perds la tête moi. En tout cas c'est le masque Exertier au miel que j'ai, que j'aime beaucoup ce masque et que je vais réutiliser là pour la saison. Mais du coup, bah, c'est pas mal de tester autre chose et voir, comparer, hein, tout ça. Dans la vie, c'est ça aussi. Il faut comparer et se donner un avis. Donc, c'est sympa. Bon, c'est tout petit, hein, par contre. Hein. Bon. Et enfin, pour terminer, comme ils m'ont mis une carte de prépayé là, à 15 euros de chez Mac que j'ai là. Vous voyez, c'est sympa quand même. Ils m'ont mis un rouge à lèvres. Alors, je vous montre le rouge à lèvres de chez Mac. C'est matte lipstick, c'est des rouges à lèvres mat. Alors Sam, bien sûr, Betty, ma maman, je te fais un coucou. Si tu me vois là, bien sûr, ce rouge à lèvres est pour toi. Mais pour cela, il faudra que tu viennes faire des vidéos avec moi. Ben oui, les abonnés, les sunshine te réclament, Betty. Donc si tu m'entends, mets-toi ça dans ta tête. Il faut que tu viennes faire des vidéos avec Freddy. Voilà. Et dites-moi-le en commentaire si vous voulez retrouver Betty en vidéo parce que elle fait vraiment sa diva, hein, celle-là, hein, cette Betty-là. Oh là là, non, je l'adore, c'est ma maman adorée. Je l'aime de tout mon cœur et j'espère qu'on la retrouvera, oui, quand elle sera à Paris. Alors, pour le plaisir, vous savez ce qu'on va faire? On va le tester, ce rouge à lèvres. Ben oui, il n'y a pas Betty pour le tester. Moi, je suis un garçon, je me maquille pas, je mets jamais de rouge à lèvres, on est d'accord. Mais pour les femmes qui me suivent sur la chaîne Freddy Beauty, eh bien vous savez quoi?
Eh bien, on va le tester. Alors déjà, il se présente comme ça. Je vais l'ouvrir. Vous voyez ? Il est joli, hein ? C'est un joli... je sais pas si vous le voyez mieux, là. Allez, zoom un peu, là. Fais-nous un joli zoom. Il veut pas, hein ? Il le reconnaît pas. Allô, allô ? Allô, allô, monsieur l'ordinateur, touk touk. Bon, on va le mettre. Alors attendez, il me faudrait quand même une glace. Il me faut une glace, hein, parce que sinon, et je vais vous mettre ça. Alors on va rigoler. Voilà. Alors, pour ceux qui viennent de me retrouver sur la chaîne, alors, je ne me travestis pas, hein, je vous préviens. Ah. C'est juste pour vous faire le test. Et ben, il est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ben, il est pas mal, hein? Mais bon, attention, hein, je mets pas de rouge à lèvres, hein, je vous préviens. Bon, je voulais tester, hein, vous avez vu, hein, j'ai joué le jeu. Je vous ai mis du rouge à lèvres. Donc, je l'ai un peu utilisé, maman, tu m'en voudras pas, mais il est neuf. Donc, je le remets dans sa boîte. Moi, je vais finir la vidéo avec le rouge à lèvres. Bon, bah, il y a un début à tout. Hein. Ceci dit, vous retrouverez du make-up sur ma chaîne Freddy Beauty parce que je compte bien faire du maquillage pour hommes, naturel, aider les hommes à se maquiller naturellement sans ressembler à des femmes. Et on aura bien sûr une collection qui va arriver en novembre de Chanel. Donc, je vous tiendrai au courant de ce make-up homme qui arrive en France parce que on est envahi par la Corée du Sud où les hommes se maquillent là-bas de manière sans problème et donc ça arrive en Europe. Alors je dis pas que les hommes vont se mettre à se maquiller, c'est pas le but, mais faire des choses naturelles c'est possible et les hommes ont le droit aussi. Alors bien entendu le rouge à lèvres pour moi c'est quand même pour les filles, on est d'accord. Là c'est parce que j'avais envie de vous le swatcher. Au lieu de le faire sur la main, bah, je l'ai fait sur les lèvres. C'est quand même mieux, non? Vous trouvez pas? Voilà. Merci les Sunshine de m'avoir suivi sur la chaîne Freddy Beauty. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et bah oui, qu'on se retrouve toutes les semaines. Je vous fais plein de gros bisous les Sunshine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bisous!